Alors là, je suis en train de dégager un bloc qui vient d'un lutétien, contact lutétien et présien de la Marne, qui a été trouvé par un ami qui est plus en grande forme, qui est âgé maintenant, mais c'est son fils qui m'a donné ça. Ça vient de Binson et Orchigny, et ça a été trouvé dans les années 80. Et apparemment, la poche n'a jamais été retrouvée ailleurs. Alors, c'est une roche qui est un sable qui a un contact hyprésien et lutétien moyen, voire peut-être inférieur. Il y a beaucoup de graviers gloconieux. J'ai commencé à m'en occuper récemment. Et j'espère vous montrer quelques petites choses. Là, en dégageant, je tombe tout de suite sur quelque chose qui me paraît intéressant, parce que ça me paraît être un murex ou quelque chose comme ça, et je vais essayer de prendre des photos avant de le dégager pour pas trop l'endommager. Alors, ce sont des blocs qui sont constellés de crassatelles et de carlita, là j'arrive pas à trouver le mot, vous voyez, et qui sont dans lesquels Maurice, avec donc celui qui me l'a donné, Maurice avait trouvé une faune de mammifères. Là par exemple, vous voyez, on a des grosses crassatelles qui sont littéralement les unes sur les autres. Hein. Et c'est bien ce qu'il me décrivait à l'époque, qui m'a montré, il y avait énormément de grosses crassatelles en connexion. Alors les blocs étaient énormes, il a fallu malheureusement que je les casse pour pouvoir les ramener chez moi. Et ceci dit, j'en ai gardé des gros morceaux qui sont, je pense, intéressants à montrer. Et j'essaye de documenter tout ça parce que, bon, je pense qu'il peut y avoir une très belle faune à trouver, aussi bien en vertébré qu'en invertébré. Et là, c'est intéressant parce que on a ici une grosse crassatelle qui est plutôt du lutétien moyen. Et là, on voit tout de suite des uniaux qu'on trouverait plutôt dans les sables à uniaux et térédines qui sont de l'hyprésien. Donc là, c'est vraiment un contact très très particulier dans lequel Maurice avait trouvé une très belle faunule de mammifères que je m'employais à photographier et à déterminer, mais qui sont pour moi probablement datées du MP10, qui est comparable à ce qu'on a à Montlon et dans d'autres gisements de la région, et qui ont fourni une très belle faune très diversifiée de l'Éocène inférieur, montrant l'apparition des ancêtres des chevaux, les premiers gros carnassiers qu'on appelle des créodontes, et une foule d'autres petits mammifères, quelques artiodactyles, des rongeurs, les premiers chiroptères, enfin les premiers, pas les premiers du bassin parisien, mais il y a des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris. Enfin, dans ces faunes-là, je pense qu'il y a toute une faune très intéressante à étudier. Et j'ai en plus en complément la collection récoltée par Maurice et son fils Claude dans les années 80. Alors j'ai été contacté par eux très récemment pour aller les chercher parce que bon, Maurice est pas en grande forme. Et ils ont vendu la maison avec tout ce qu'il y avait dedans. Et le problème, c'est qu'il fallait récupérer tout ça très rapidement. Donc j'ai pu y aller avec mon neveu Loïc, qui a pu m'emmener, parce que moi tout seul, je n'aurais pas pu y aller, c'était impossible. Et ça nous a permis de récupérer du sédiment, plusieurs caisses. Il y en avait, je pense, pas loin de 500 kilos. J'ai dû en ramener 200 kilos, c'est déjà pas mal. Et plus la collection de Binson et Orchigny, avec les mammifères que j'ai commencé à regarder et qui sont fortement intéressantes. Parce que ça pourrait être peut-être une localité nouvelle pour les faunes de mammifères dans l'hyprésien du bassin parisien. Donc voilà, j'essaye de montrer tout ça pour garder un souvenir, parce que le problème, c'est que moi, n'y ayant pas fouillé, Maurice étant quand même vers la fin de sa vie, on va dire, et son fils Claude qui a fouillé avec lui dans les années 80, n'a plus le souvenir de la couche, quoi. Et c'est une couche qu'ils ont vue une seule fois, qu'ils ont vue à l'occasion d'un nettoyage d'une vigne. Et le problème, c'est que j'ai pas les coordonnées particulières de ce gisement-là, qui serait fortement intéressant d'aller voir sur place. Parce qu'il est bien évident que ce que je vais voir ici, c'est qu'un faible résumé de ce qu'il y a. C'est forcément, déjà, lui avait prélevé des blocs
parce que ça avait un côté esthétique, mais il avait tamisé énormément sur place et il avait trouvé une belle faune. Donc tous ces éléments-là auraient pu être tout simplement balancés à la poubelle. Et j'ai quand même eu la possibilité d'aller récupérer une partie, et ça c'est déjà un grand pas. Voilà, bon, je vais arrêter là et je reprendrai plus tard avec le dégagement. Et ce que je vais surtout m'atteler à faire, c'est de bien regarder les niveaux à Unio et Térédine, de voir un petit peu, parce que vous voyez, ils sont vraiment en contact, et c'est ça, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Parce que à Montelon, il n'y a que d'Iprésiens, il n'y a pas de Lutétiens comme ça. À Fleury-la-Rivière, je n'ai pas connaissance, j'ai jamais fouillé vraiment. À Damery, il semblerait que ça existe. À Venteuil, il semblerait qu'il y ait un niveau très similaire. Mais voilà, il semblerait. Moi, je n'ai aucune certitude, n'y ayant jamais fouillé. Hein, j'ai été prospecté un petit peu dans le bois de Fleury il y a longtemps, mais je n'ai pas creusé de trous parce que c'est pas mon intérêt. Je veux dire, moi, je cherche pas spécialement les sirènes géantes. Et tout le monde cherche que les grosses bêtes, les sirènes géantes, et passe à côté d'énormément de choses. Et là, en l'occurrence, on passe à côté de quelque chose qui peut être tout nouveau pour la science dans le bassin parisien. Alors, je sais pas si le gars qui a creusé sa cave à Fleury-la-Rivière a déjà trouvé ce type de contact. C'est tout à fait envisageable, parce qu'il est vraiment pas sur les découvertes de Maurice et son fils Claude dans les années 80. Et je pense qu'il y aura peut-être des surprises là-dedans. J'espère, en tout cas. Voilà, à plus tard. Alors, je reviens là sur Binson-Orchigny, là, juste après avoir arrêté. C'était pour dire que lorsque j'ai été chercher le sédiment chez le fils, enfin chez Maurice, dans les blocs que j'ai pris, j'ai tout de suite vu des bouts de coprolite. Des coprolites qu'on trouve dans les niveaux iprésiens. Donc déjà, c'était un bon indicateur, en plus de la faune déjà récoltée. Et là, quand en tamise, quand vous voyez, je suis en train de trier, je trouve énormément de grains de quartz, hein, qui sont très grossiers. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça là-bas. Alors, je suis pas peut-être le meilleur expert non plus de ces couches-là, mais j'ai l'impression que dans la cave au coquillage à Fleury de Le Grand, hein, j'ai déjà entendu parler d'une couche similaire. Donc, il est probable que lui-même en ait trouvé. Il y a des éléments là comme ça qui sont un peu oxydés, ferreux, et qui sont est-ce que ce sont des restes de vertébrés ou peut-être plutôt de plantes, hein, je penserais à des restes de plantes ou de terriers, enfin en tout cas ce sont des choses qui sont potentiellement intéressantes. Il y a visiblement de la matière organique à gogo, donc ça laisserait présumer. Et moi j'ai pris ce sable là bien sûr dans l'optique de le trier, de le laver, de le trier pour voir la microfaune mammalienne qu'on pourrait rencontrer, éventuellement la macrofaune, hein, parce que il n'est pas exclu qu'il y ait des gros organismes non plus, vu que Maurice en avait trouvé. Et bon, là, vous voyez, on voit très bien sur ce gravier, là, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais vu ce type de couche, on va dire. Donc, je suis fortement impressionné, parce que ça ajoute une connaissance supplémentaire que je n'avais pas de ces couches-là. En tout cas, je pense que Maurice et son fils, Claude, avaient trouvé quelque chose de très intermédiaire et probablement dans des couches un petit peu inférieures au sable lutétien moyen qui semblait quand même contenir des cérites. Je vois des mésalias. J'ai pas encore vu de rimella. Ceci dit, pour les locaux, ils savent très bien que les mésalias et les rimella, ça délimite deux couches. Donc, je vais prospecter, enfin, je vais investiguer au fur et à mesure pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Alors là, dans le petit bloc que je viens de couper, à l'instant, je viens de trouver une écaille de l'épizostée à ce niveau-là. Voilà, là, ça prouve que on est bien sur le contact iprésien. Alors l'écaille, la voici, elle est pas très grosse, mais elle est suffisamment caractéristique pour que je dise que c'est une écaille de l'épizostée. Maurice en avait déjà trouvé plusieurs exemplaires. Donc là, on est bien sur un niveau fluviatile.
Parce que ça, ce sont des poissons osseux qui vivent uniquement dans des fleuves. Hein. C'est pas du poisson marin, comme certains vont l'interpréter. On n'est pas sur du lépidote, on est sur du lépisosté. C'est un poisson qui survit de nos jours en Amérique du Nord. Donc là, le truc vient de se détacher et a priori, c'est un bouderet. Je l'avais consolidé un petit peu avant parce que c'est vraiment très fragile quand même. Donc je vais récupérer les éléments et on verra ça plus tard. Le but là, c'est de dégrossir sur place. Donc il y avait de la coprolite, de la raie et puis il y aura peut-être autre chose après au tamisage. Alors sur Binson Orchigny, là je vais trier les fractions que j'ai tamisées à grosse maille. Je viens de les recalibrer. C'est au-delà de 3 mm et bon en dessous de 2 cm. Alors ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup de mollusques du lutétien moyen à Paris apparemment. Enfin même plus qu'apparemment. Là il y a une petite oliva. Olivella ou oliva, j'en garde le nom exact, j'ai plus en tête. On a beaucoup de mésalias. Alors apparemment c'est un niveau très riche en mésalias là, qui marque bien un niveau à Fleury. Hein, donc on n'est pas loin de Fleury, on n'est pas sur Fleury, on est à Binson Orchigny, mais ça semble assez proche. Voilà, on a beaucoup de mésalias plus ou moins complètes. Je vais en prélever quelques-unes. Il y a différents degrés d'usure. Celle-ci est très usée et bouffée par les cliones. Là, on a un fragment d'une Vicinoceritium, ce qu'on appelait avant une Bathylaria. Là, c'est un fragment. Je pense que j'en trouverai d'autres. Là, on a une petite Atleta Spinosa. Assez caractéristique. Là, j'en ai déjà trouvé plusieurs. Là, on a un fragment d'une Cardita. Alors ça, j'ai pas souvenir, je me rappelle pas si on en avait. Là, on a une petite huître, une Anomia. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors là, ce qu'on a, qui est beaucoup moins évident, qui est même pas du tout présent dans les niveaux marins, c'est ces mollusques bivalves, hein, qu'on appelle des uniaux, et qui sont très caractéristiques parce qu'ils sont nacrés et ce sont des bivalves qui vivent uniquement en fleuve ou en rivière de l'époque et qui doivent être associés au niveau invertébré que j'en cherche. Là on en a encore un autre morceau de la partie présienne. On voit qu'on a beaucoup de galets aussi en silex comme ça, de différentes tailles. Donc ça c'est assez révélateur de ce que moi j'observe ici dans le bassin parisien, plus à l'est, plus à l'ouest, dans l'Oise et dans les niveaux qui sont classiques, c'est-à-dire les niveaux de transition. Mais là, je ne sais pas si c'est un niveau de transition ou si c'est normal. J'ai pas souvenir. Il y a beaucoup de gros grains de quartz, de silex, de gloconie. Ça indiquerait quand même un dépôt particulier. Bon, à voir, à confirmer ultérieurement. Et puis là, on a des fragments de ce que j'interprète comme des fragments végétaux de bois qui, c'est pareil, se rencontrent plutôt dans l'Yprésien que dans le Lutétien. Il y en a aussi dans le Lutétien, probablement, mais dans l'Yprésien, ils sont assez fréquents, notamment juste au-dessus des igneaux. Donc, c'est ce qui me laisse un petit peu penser qu'on est vraiment sur un niveau transgressif en contact avec le lutétien, soit moyen, soit inférieur. J'ai pas encore une réponse de la part de certains collègues à qui j'ai demandé l'avis. On verra ce qu'ils me répondent. Moi, je partirais sur un lutétien moyen, mais bon, j'aimerais bien avoir d'autres avis. Voilà. Bon, on va regarder ça et puis. On
On finira par en discuter plus tard. Là, j'ai un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bivalve ou... Ah bah, c'est une anomia encore, je pense. Là, une petite huître, une ostréidée. Là, une... Alors, je reviens sur Binson Orchini. Là, je suis en train d'ouvrir les blocs. Un par un, j'en profite pour nettoyer tranquillement. Tout à l'heure, j'ai trouvé un bout d'os, un type tortue. Mais là, je viens d'avoir une sacrée surprise, parce que je m'attendais absolument pas à trouver ça là-dedans. Bon, une dent de requin, à la rigueur, oui. Mais là, celle-ci, c'est une Autodus auriculatus. Elle est légèrement crénelée sur le côté. Dommage, il manque quand même une partie de la racine, mais ceci dit, la dent est suffisamment complète pour identifier, sans trop se tromper, même sans se tromper du tout, l'animal. Hein. C'est une Autodus auriculatus. Et là, dans le lutétien, alors si c'est un lutétien moyen, c'est une première occurrence dans le bassin parisien. Si c'est un lutétien inférieur, ça reste fréquent, enfin... assez fréquent suivant les gisements, mais dans ce coin-là, moi, j'en avais pas connaissance, en tout cas. Donc, de toute manière, c'est une découverte très intéressante pour moi. Ça motive encore plus l'ouverture des gangs. Hein. J'en ai encore un bon paquet à ouvrir. Là, j'ai déjà trouvé une anomia. Hein, ça, c'est classique. Je vais vous montrer les... petits ossements que j'ai trouvé tout à l'heure. Au départ, je pensais que c'était une coprolite, mais en fin de compte, la surface osseuse et poreuse montre que c'est de l'os. La coprolite, j'en avais déjà trouvé un fragment en allant chercher le sédiment chez anciennement Maurice, et je me doutais qu'il y en aurait d'autres morceaux. Et là, donc, c'est une nouveauté aussi. Voilà. Donc là, des fragments d'os. Dans des niveaux que je ne connaissais absolument pas. J'ai trouvé un très beau murex aussi ce matin. Et puis, là, vraiment, cette découverte qui me laisse pantois. Parce que, encore une fois, je m'attendais pas à trouver ce type de dent. L'usure est, de la racine est assez prononcée. On pourrait presque la croire de Balaghem, en Belgique. Hein, mais on est bien sur un lutétien de la Marne, de Binson Orchini, un sédiment qui a été récolté par Maurice et son fils Claude au début des années 80 et qui était dans une vigne au moment d'un arrachage de vigne. Ils sont tombés sur une dalle. Une dalle qui était couverte de crassatelles, de bivalves divers comme les Cardita planicosta, d'autres batitormus, et puis des ostators, et puis peut-être des clavilites aussi. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, cette découverte est très intéressante pour moi. À plus tard.